Toujours, vous êtes sur la page de Gangan, c'est la suite de l'arrivée des chefs d'État, après donc l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Cet autre avion, aujourd'hui la Guinée est au cœur de toutes les attentions. Un autre chef d'État, en tout cas un autre membre de la commission de l'Union de la CEDEAO pour le sol guinéen, cette fois-ci c'est ce second avion qui vient d'atterrir, un avion du Ghana. Voilà donc les membres de la délégation qui descendent de l'avion. Voilà donc le président de la commission de la CEDEAO qui vient de descendre de l'avion, Kassibou, qui a lui-même ce communiqué de suspension et de gel des comptes des membres du conseil, du comité national du rassemblement et du développement. Jean-Claude Kassibou, que vous voyez là. Et colonel Mamadi Doumbouya qui vient avec ses hommes en force. L'hymne national du Ghana. Vidéo. Un peu de vidéo.
président de la République du Ghana qui salue les diplomates accueillis en Guinée. Qui est accompagné par le colonel Mamadi Doumbouya, président du CRRD. Donc ça fait déjà deux chefs d'État. Après Ouattara, c'est Nana Addo. Un troisième est attendu, puisque annoncé, il s'agit de Macky Sall du Sénégal qui d'un moment à l'autre aussi va atterrir dans un avion qui atterrira d'un moment à l'autre aussi. Nana Akufo Addo et Alassane Dramane Ouattara, les deux ados hein, dans la salle du salon d'honneur. En attendant le troisième, pour le moment, c'est ce qui se passe sur le tarmac de l'aéroport et dans l'enceinte de la salle. Pendant ce temps, parallèlement à ce qui se passe à l'intérieur, une manifestation anti-CDAO se tient dans les abords de l'aéroport, où des jeunes protestent contre cette décision d'abord d'imposer un délai de 6 mois aux nouvelles autorités. Pendant ce temps, les mêmes fanfaristes, les hommes de rang de l'armée de terre, de mer, de l'air et de la Numba se disperse pour le moment en attendant la suite des événements. Toujours avec le duo Sorikandia Bangoura, Mohamed Lamine Fok pour Gangan TV. A tout de suite.